Allez, il est temps de décorer mes crocs. Ces cercles sont superbes. Maintenant, je vais changer de couleur. Ça va être splendide. Magnifique. Et maintenant, la partie la plus amusante. Oui! Regardez comme c'est incroyable! Allez! Oh oui! Waouh! Je me débrouille super bien! Je suis un vrai génie! Allez, reste dans ta file! Quoi? Saleté de voiture! Go, go, go! Oh, tu peux parler moins fort, Betty? Oh, tu ne comprends pas! Oh! Hé! Ta touche! Tu as vu comme tu tapes fort dessus? Oh! Et comment je vais jouer maintenant? C'est pas cool! Oh, rends-la moi! Elle est à moi maintenant! Oh, c'est ridicule! Elle a laissé son stylo! On va être deux à jouer! Si tu perds une touche de ton clavier, tu peux la réparer avec un stylo 3D! Fais-la juste aussi grande que les autres touches! Le moment de vérité? Oui! La partie peut reprendre! Waouh! Betty, tu es de retour? Où en étais-je? Betty! Tu as pris mon crayon sans demander! Quelle sœur ennuyeuse tu es! Au moins, je peux réfléchir! Bref! Waouh! Cupidon a-t-il enfin répondu à mes prières? Mes cheveux sont bien? Hé, salut! Ah! J'en ai plein la bouche! Hé, mes cheveux! C'était un ouragan ou quoi? Attends une seconde, je sais comment arranger les choses. Salut, vieil ami! Tu vois ce stylo? Utilise-le pour donner cette forme à la colle. Encore un peu, et une fois que c'est sec, retire le stylo. Ça devrait ressembler à un ressort. Ajoute un peu de colle au bout et attache les extrémités ensemble. Voilà, fini les cheveux en bataille. Où en étais-je? Salut toi! Hey, salut! Oh, je m'ennuie! Hey, laisse-moi jouer, c'est à mon tour! Et si tu jouais plutôt avec ça? Joue avec mon maquillage! D'accord, ça me va! Il me faut quelque chose pour le mettre sur ma figure! Voilà, je vais pouvoir me maquiller! Oh mon Dieu! Elle a ruiné mon fond de teint! Ah, je m'ennuie encore! Laisse-moi jouer! Tiens, prends ma montre! Je vais battre mon record! Ah! C'est un sacrifice nécessaire! Je dois trouver quelque chose pour la distraire! Peut-être que mon stylo 3D peut m'aider? Ouais, je sais comment! Ok, je dois faire en sorte de faire la bonne forme. Maintenant, je la remplis. Je dois faire vite avant qu'elle ne revienne. Encore un peu. Maintenant, ajoutons de l'épaisseur. Il ne me reste qu'à ajouter ces quelques lignes. Comme ça. Et je les recouvre. Ça recouvre parfaitement les pads. Et voilà, ça rentre et ça sort super bien. C'est bon, je crois que ça va marcher. Oh non, elle arrive. Cachons la manette. Désolée, je ne l'ai plus! Quoi? Mais où est-elle passée? T'es trop nulle! Pfiou, ça a marché! Elle est partie! Je n'ai plus qu'à récupérer ma manette! Allez, on y va! On s'est bien entraîné, on va gagner! Ouh, ça doit faire mal! J'arrive pas à croire que tu m'aies laissé tomber! Mon jean est tout déchiré! Désolée, ça ne le fera pas! Suivant! Merci pour cette opportunité! Ah!
Regarde-la avec son pantalon déchiré. Loser! Allez, viens, on y va. Je n'arrive pas à croire que ce soit arrivé. On a travaillé si dur. Il doit y avoir un moyen de réparer ça. Regarde, un stylo 3D. Ça pourrait marcher. Regarde, donne-moi ton jean. Je vais dessiner quelque chose avec le stylo 3D. Je trace des lignes jusqu'au milieu du trou. Voilà. Et maintenant, je fais quelques cercles tout autour. Je vais faire une petite vague pour le prochain. Ça lui donnera un air de toile d'araignée. Nous y voilà, c'est fini. T'as vu? Tu as un dessin super cool à la place du trou. Waouh, tu es un génie! Allez, on peut encore gagner ce concours. Ce n'est pas le couple avec le pantalon troué? On dirait qu'ils ont réparé ce trou. Acceptons-les. Cette fois-ci, on va y arriver! Oui! Je ne suis pas tombée cette fois! Très bien! C'est beaucoup mieux! 10 pour chaque juré! Je savais qu'on gagnerait! Merci! Quoi? Je les ai oubliés à la maison? Oh! Eh ben, je n'ai plus qu'à utiliser ces antiquités! C'est mieux que rien. T'as dévalisé un musée ou quoi? Bon, je crois que ça ne va pas faire l'affaire. Oh, mon stylo spécial! Une petite quantité et me voilà dotée de nouveaux AirPods. Pas mal, hein? C'est bien mieux! Cette chanson est géniale! Et tout ça grâce à mon stylo spécial! Cette journée est longue! Il vend des glaces! J'ai la bouche si sèche! Faites que j'ai de l'argent! J'ai dit de l'argent! Pas de vieilles ordures! Et ça? Ça pourrait marcher? Oh! Une cliente! Salut! Bonjour! Je te plais? Juste si tu as de la monnaie. Je n'ai rien! Non? Alors je ne peux rien pour toi. Oh, très bien! Je reviendrai! Ok! Je vais inventer ma propre monnaie. Tant que j'ai mon stylo 3D, je le peux. Parfait! Ça ne prendra que quelques étapes. Ça ressemble à un cône de glace, non? Et il sera bien mieux avec une boule de glace dedans. Et n'oublions pas le coulis à la fraise. Ça me donne faim. Ça paraît génial, non? Et ceci pour passer une chaîne. C'est trop mignon. Ça sera parfait avec les boucles qui vont avec. Je suis plutôt contente de moi. Il est temps de changer de look. J'y suis presque. Ça y est! Yeah! Je suis de retour. Ce collier est magnifique. Il vaut bien une petite glace, non? Ouais. Un tout petit baiser. Burke! Je n'ai jamais parlé de ça. Oh, c'est tout le temps pareil. Ouais, j'ai terminé mon dernier jour de régime. Hors de ma vue, céleri. Je peux passer à quelque chose de bien meilleur. Ah, ça va être trop bon. À l'attaque! Je vais verser tout ça sur ces nouilles. Un peu de chorizo. Trop bon. Avec des saucisses aussi. Et maintenant les nouilles. J'adore! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Il faut que je documente ça. Il faut que je m'approche. Hé, arrête! Oh là là, je suis vraiment désolée! Regarde ce que tu as fait à mon portable! Tiens, prends ces serviettes. Je me sens mal. Hé, attends une seconde. Mais oui, mon stylo 3D. J'ai une idée. Alors, j'ai une coque de téléphone transparente et mon stylo. Je vais dessiner dessus avec de la matière jaune. De petites vagues partout. Pas besoin de trop appliquer. Il faut juste remplir tout l'espace.
plus que le dernier coin à finir et c'est bon. Je vais la décorer pour que ce soit plus joli. Oh là là, trop mignon, on dirait de la nourriture. Tada! Qu'est-ce que tu en dis? Trop chaud, non? J'espère que tu aimes, je l'ai faite pour toi. Waouh! Mais non, merci beaucoup, j'adore. Et tu veux des nouilles? Je ne comprends pas du tout comment les gens peuvent boire de la limonade industrielle. Comme je m'ennuie, je devrais peut-être sortir. Mais pour ça, j'ai besoin de chaussures. Bon, allez. Ding, ding! Oui, Eva? Il me faut des chaussures. C'est pas compliqué. J'ai choisi la paire la plus étincelante. Non! Bon, ok. Oh. Rouge vif? Non. Sandales? Pourquoi pas des baskets? Non! Il est tellement difficile de choisir des chaussures. Mes pieds sont si délicats. Bon, Eva, voici la dernière paire que tu possèdes. Mais enfin, il ne pleut même pas. Ne me vire pas, s'il te plaît. Hors de ma vue. Il faut que je trouve une solution. Est-ce que je peux fabriquer des chaussures? Oh là là, je perds la tête. Est-ce qu'elle porterait ça? C'est tout ce qu'il me reste. À moins que... Tiens, un joli pot de plantes. J'ai trouvé! Utilise un stylo 3D pour remplir les trous. Continue jusqu'à obtenir la forme souhaitée. Et voilà une semelle, deux chaussures. Maintenant, prends un récipient en papier comme ça et coupe-le en deux. Utilise le stylo pour le coller. Ces barres vont le faire tenir. Continue. Et une fois que tu as fini, retire le papier. Utilise un ruban pour réunir les barres. Fais-en un joli petit nœud. Mignon comme tout. Elle va les adorer. Eva? Je t'ai trouvé la paire parfaite. Elle te plaise? Sérieux? Très sérieux. Vraiment? Oh mon Dieu, j'espère qu'elle te plaise. Je ne peux pas perdre mon boulot. T'es sûre? Ma vie dépend de son choix. Relax, Max. Je vais les mettre. Ouf! Elles sont plutôt mignonnes, en fait. J'espère qu'elles vont m'aller. Pas mal! Et en plus, elles sont originales. Je vais les montrer tout de suite à mes fans. Et le désordre? Il faut que je fasse tout dans cette maison. Dis donc! C'est bien nul. Je m'ennuie. Oula! Il arrive! Je n'arrive pas à y croire! Oh! Tu es encore en retard. Allez, assieds-toi. Il va s'asseoir à côté de moi. J'espère que je suis bien. C'est quoi ça? Une toque? Salut chérie, comment ça va? Oh bien, tu veux de la glace? Je ne mange pas de nourriture trop calorique. Waouh, il est incroyable. Quoi? Oh non, j'en ai renversé partout sur mon t-shirt. C'est une vraie catastrophe. S'il voit une tache, c'est sûr qu'on ne se mariera jamais. Il ne s'approchera plus jamais de moi. Et comme il est sportif, il partira en courant très vite. La tache va tout gâcher. Je ne pourrai pas le rattraper. Mon rêve s'envolera en fumée. Non! Oh là là, je ne peux pas laisser ça arriver. Il y a bien quelque chose là-dedans qui va me sauver. Mon stylo 3D? Oui, je pense que ça peut le faire. Alors, je vais d'abord dessiner un triangle. Ensuite, je vais faire des allers-retours pour le remplir. Jusqu'à la pointe du haut. Bien! Et maintenant, je vais faire des lignes diagonales. Et pareil dans l'autre sens. On croise. Pas mal, maintenant je vais mettre du rose et je vais remplir le cercle que je viens de dessiner. Allers-retours, allers-retours, la couleur est jolie. Et voilà! Je vais ajouter un petit zigzag ici et je vais rechanger de couleur.
Comme ça, je peux dessiner une forme sur la glace. Je le remplis, ça prend forme. On dirait du chocolat. Pas mal, ça donne faim. Je vais ajouter des vermicelles. Quelques derniers et c'est bon. Waouh, ça rend super bien. Je vais pouvoir le mettre sur la tache de mon t-shirt. Je me demande ce qu'il va en penser. Oh, regarde là. Je la trouvais déjà mignonne avant, mais là... Comment ça va? Sympa le cornet de glace que tu as là. Qui dit soirée pyjama, dit bataille d'oreiller. Hé, mes cheveux! Je n'y vois plus rien. Ah! Attends, trop de cheveux. Ok, donne-moi une minute. Il n'y a pas un élastique par ici? Ça fera l'affaire. Pas si vite. Je l'ai vu en premier. Mais j'en ai plus besoin que toi. Donne! Ah! Regarde ce que tu as fait. Mais il y a une autre solution. C'est l'heure du plan B. On a besoin de toi, stylo magique. Ça va être génial. D'abord, on fait une ligne ondulée. Et puis, on la referme et on la colorie. Tu vas comprendre dans une minute. Utilise de la peinture blanche pour faire des petits cœurs. Ne sont-ils pas mignons? Allez, encore un. Et pourquoi ne pas ajouter quelque chose qui brille? Ensuite, attache ces deux extrémités l'une à l'autre. Et passe la barrette dans tes cheveux. Finis les cheveux dans le visage. Waouh! Waouh! Le combat peut reprendre. Oh là là, j'espère que je suis prête pour ce test. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il me bloque la vue. Ça va être une super fête. Une fête? La plus grosse fête de tous les temps? Génial! La plus grosse fête de tous les temps! Et je sais ce que je vais porter. C'est l'heure de la fête! Oh non, mes ongles! Je ne peux pas y aller comme ça. Mais une manucure coûte trop cher. Combien de temps est-ce que je peux me cacher là-dedans? Mon stylo 3D! Tu veux de jolis ongles? D'abord, pose des carrés de papier sulfurisé. Une fois que tu t'es occupé des cuticules, trace le contour de ton ongle. Mets le morceau de papier de côté. Termine le dessin de l'ongle, puis remplis-le avec ton stylo. Le rouge est toujours gagnant. Jusqu'ici, c'est pas mal. Utilise un objet comme celui-ci pour l'incurver afin qu'il adhère à ton ongle. Puis retire le papier et ça devrait être parfait. Voilà, ils sont magnifiques. Ce stylo est vraiment pratique. Pas besoin d'une manucure pro quand on peut tout faire soi-même. Hé, tes ongles sont incroyables. Merci. Rien de mieux pour retrouver confiance en soi. Oh, le cours commence. Où est ma chaise? La voilà, madame. Oh, eh bien, merci. Faisons quelques corrections. Mais où est mon stylo? Voilà! Vous pouvez écrire maintenant. Oh, merci. Ce chiffon n'efface plus rien du tout. Ah, voici de l'eau pour le mouiller. Ça effacera mieux. Et n'oubliez pas de faire vos devoirs. Oh, son téléphone! Non! C'est bon, je l'ai! Oh, merci beaucoup! Je vais le reprendre. Mais madame, votre téléphone est trop glissant. Ça pourrait se reproduire. Je peux faire quelque chose pour ça? Laissez-moi faire. Je vais utiliser mon stylo 3D pour dessiner sur la coque. Je vais complètement la recouvrir, de haut en bas. Et n'oublions pas les côtés, car les bords sont glissants aussi.
Et voilà, tout est recouvert. Regardez, c'est une toute nouvelle coque. Oh mon Dieu! Merci beaucoup! Oh, excusez-moi, j'ai un appel. J'essaye d'atteindre le tableau. Ce n'est pas de ma faute, je suis trop petite pour écrire le résultat. Il me faut ma trousse. Oh, je déteste être petite comme ça. Je ne peux rien attraper. Oh, elle ne voit pas que j'essaye de lire. C'est bon, elle est là. Salut, Essie. Oh, salut. Comment tu vas? Oh, dis donc, tu es vraiment très, très grand. Salut là-haut. En fait, je t'apprécie vraiment beaucoup. Tu crois que je pourrais t'embrasser? Tu peux aller un peu plus vite? Allez, je suis en bas, là. Bon, je vais avoir besoin de ce mégaphone. Hé, tu dois plus te pencher pour m'embrasser. Il faut peut-être que je le chante en ukulélé. Rien ne fonctionne. Attends, il y a des crayons de couleur là-bas. Oui, ça peut marcher. Je vais aussi avoir besoin de tongs. Je vais enlever les attaches. Et je vais avoir besoin de colle chaude. Je vais mettre un tout petit point. Comme ça, je peux coller un crayon dessus. Je recommence. Voilà, j'en ai collé sur toute la semelle. Je vais en ajouter un sur le dessus, au milieu. Je vais pouvoir y enrouler l'attache autour. Ta-da! Et voilà des sandales à plateforme qui tuent. Je vais les enfiler. On va voir si ça marche. Ouais! Je vais enfin avoir ce bisou tant attendu. Attends. Oh, c'est une blague? Je n'ai pas mis tant de temps que ça. Hé, hey, réveille-toi. Oh, tant pis, oublions tout. Hein, quoi? Je suis réveillée. Ah oui, le bisou, j'arrive. Bon, j'avoue que j'ai toujours envie de t'embrasser. Viens, on doit écrire nos noms. Hé, attends, je vais écrire le mien d'abord, bouge. Non, j'étais là d'abord, c'est ma ligne. C'est ma ligne à moi, bouge. Ah, bon, vas-y, de toute façon, personne ne va voter pour toi. Nananère. Oh, les nominations pour la reine de la promo. Viens, inscris-toi avec moi. Bon, d'accord, allez. Et si l'une de nous est élue? Attends, je prends mon stylo. Voilà, je peux m'inscrire. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mince, mon stylo n'écrit pas. Oh, attends, j'ai une idée. J'ai une banane dans mon sac. Ce n'est pas ce que je cherchais. 2 secondes. Voilà, c'est bon cette fois. Oui. Attends, ce n'est pas du tout ce que je cherchais. Oula, ne le prends pas mal, mais tu en mets du temps. Mais oui, je sais. Moi aussi, j'ai regardé l'épisode hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Bon, j'en ai marre. Je vais tout mettre par terre. Attends, une autre poubelle de jus? Hé, mais ça me donne une idée. Je vais prendre cette bouteille de jus vide et donner un petit coup de cutter. Comme ça, je peux enlever le dessus et utiliser mes ciseaux pour découper le long du bord. Je vais jusqu'à l'autre extrémité. Ensuite, refais la même chose sur les autres bords et ouvre la bouteille comme ça. Mais je n'ai pas envie qu'on voit que c'était une bouteille de jus, alors je vais la décorer avec du papier rose. On va la retourner et sortir le tube de colle. Je vais en mettre un peu partout. Comme ça, je vais aussi pouvoir coller cette bande de papier orange. Et maintenant, on sort l'artillerie lourde. La colle chaude, parce que le petit tube de colle ne va pas suffire. Je vais ajouter un deuxième X en le faisant pivoter de 45 degrés. Je vais rajouter de la colle, mais aux extrémités cette fois. Pas besoin d'en mettre beaucoup, je vais juste fixer ce petit élastique. Et ici, je vais coller des aimants. Ta-da! J'ai fabriqué un porte-fourniture. On peut mettre des feutres et des stylos dans les élastiques. Et des post-it ici. On peut même mettre des trombones sur les aimants. Et quand il est rempli, on peut le refermer tout simplement. Il faut d'abord replier la première et ensuite la deuxième. Et pour finir, je peux remettre le couvercle que j'avais enlevé au début. Oh, regarde ce que j'ai fabriqué. C'est quoi? Je dois l'ouvrir? Ok. Waouh, mais non! Tu vois? Comme ça, tu peux facilement trouver tes stylos. Et maintenant, je peux m'inscrire à la liste des nominés. Voilà. Oh, regarde comme elle attire l'attention. Incroyable! J'ai jamais vu une trousse aussi stylée. Hé, vas-y doucement. Ouais! Je suis la championne suprême! Quoi? Oh non! Ma sucette! Oups! Attends! Je crois qu'elle est passée là-dessous. Je ne la trouve pas. Quoi? Beurre! C'est quoi ce truc? Oups! Pardon! Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Burke, c'est dégoûtant. Liam, j'ai retrouvé ta sucette. On dirait que des cheveux lui ont poussé sur la tête. Je ne peux pas manger ça.
Effectivement, ça ne serait pas raisonnable. Mais je pense que je peux arranger ça. Et voilà! Non! Laisse tomber! Oh, allez, Liam! Bon, ne bouge pas. Le pauvre, je me sens tellement mal. Il faut que je mange quelque chose. Oh, mais bien sûr! Coupe une pomme en tranches comme ceci. Trempe-les dans du yaourt. Puis ajoute quelques vermicelles. Mets-les au frigo un moment et c'est prêt! Liam, j'ai quelque chose qui devrait te plaire. Oh! Wow, ça a l'air délicieux! Ah, ouf! Tiens, prends celle-ci. Elles sont bien plus grosses que les miennes et bien plus juteuses. Tu as bien fait d'en faire plusieurs. C'est vraiment trop bon! Wow! Regarde-moi cette cuisine! Viens voir! C'est une super idée! Vas-y! Génial! Et si on donnait un petit coup de jeune au grippin? Attention et... Ta-da! Très impressionnant! Oh, regarde, un coussin blanc! Ah là, c'est plus sympa! Qu'est-ce qu'on pourrait repeindre encore? Qu'est-ce que tu dis de ça? Génial! Même les outils de ménage peuvent être colorés! Et les pop-its aussi! Tiens, je pensais! Et voilà! Trop cool! Waouh! À mon tour! Oh, j'ai toujours voulu avoir les cheveux multicolores! Tu crois que ça marche avec des pancakes? Hein? Je crois qu'elle est cassée! Laisse-moi voir! Ta-da! Non, ils n'ont pas changé! Ah, on dirait que les batteries sont à plat. Attends, j'ai une idée. On pourrait utiliser mes crayons de couleur pour peindre les pancakes. Non, certainement pas. Je crois avoir quelque chose de plus comestible. Ajoute un peu de colorant alimentaire dans la pâte. Waouh, regarde comme c'est beau. Et hop, sur la poêle. Et voilà, maintenant il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ta-da! Et le tout sans magie. Tu as entendu ça? Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Waouh! Quelqu'un m'a préparé le petit déjeuner? Je n'ai jamais rien vu d'aussi appétissant. Je devrais traîner au lit plus souvent. Que la fête commence! Plus qu'à attendre que les invités arrivent. C'est ça! Ah! Pendant qu'on attend, ça te dit un bonbon? Il ne peut pas y avoir que des jaunes. Je te rappelle que le thème est aussi vert, Emma. Tu vois? C'est beaucoup plus logique. Tu trouves que le vert est mieux que le jaune? Moi, je préfère le jaune. Et moi, le vert. Ah, tu veux jouer à ça? Je relève le défi. Tu en es sûre? Ah! Enlève ton bol du milieu, allez! Ce n'est pas juste! Emma, le jaune, c'est moche! Oh non! Regarde ce que tu as fait! Burk! Bon, nous voilà revenus à la case départ. À moins que... Tu veux mélanger les couleurs? D'abord, fais fondre les bonbons verts. Puis ajoute de la crème. Une fois que c'est bien mélangé, verse le tout dans des verres inclinés. Veille à ne remplir que la moitié du verre. Ensuite, ajoute l'autre couleur. Laisse-les refroidir et tu peux les servir. Hé, les amis, ça vous dirait un petit dessert sucré? Ce sont de petites coupes de bonbons citron jaune, citron vert. Allez-y, goûtez. Mais c'est dur. Ça se mange à la cuillère. Miam! C'est parti! Maintenant, allons danser! Oh, oh. Encore lundi! Oh. J'arrive même pas à ouvrir les yeux ce matin! Je crois que ça, c'est la mienne! En avant, Guingamp! Hein?
C'est quoi ce bazar? On dirait qu'il y a eu une explosion de dentifrice. Ça, c'est encore un coup de Jess, c'est sûr. Elle en met toujours partout. Hé, Jess, t'aurais pas quelque chose à me dire? Je crois pas, non. Désolée, je suis méga en retard. On dirait qu'on va bientôt manquer d'eux. Il ne faudrait pas gâcher les deux derniers, pas vrai? Pour ce tour-ci, il suffit de mettre un peu de dentifrice sur les œufs. Ensuite, on étale sur toute la surface. Il vaut mieux utiliser une brosse à dents. Enfin, on remet l'œuf dans la boîte. Et on n'oublie pas de badigeonner le deuxième. Je sens qu'on va bien se marrer. On se retrouve dans quelques instants. Ah, oh, je meurs de faim. Oh, mes œufs! C'est moi ou ils ont l'air bizarres? Je sais que parfois les œufs peuvent être un peu marrons, mais jaunes. On dirait qu'il y a quelque chose qui cloche. Waouh! Ils sont tout caoutchouteux! Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont plus comestibles? Ou est-ce que je peux toujours les manger? Je me demande si on peut les éclater. C'est bizarre, ils me font un peu penser à des yeux. Je te vois! Hey! Salut, Jake! Original, tu trouves pas? Tiens, regarde! Est-ce que tu crois que ça peut rebondir? Wow, t'as vu ça? Trop génial! Wouhou! L'école est finie! Plus besoin de ça! Viens, on joue à un jeu! Celui-là va te plaire! Vas-y, vas-y, tu peux y arriver! Trop drôle! Attends, il faut passer une mèche ici? Oh, je vois! Papa! Oh oh! Salut les filles, je suis rentrée! Qu'est-ce que vous faites? Vous connaissez les règles, vous devriez être en train de travailler! Oh! C'était la faute de Sophia! Hein? Vous me décevez, là. Je vais confisquer ça. Donne-la-moi. Non, ne fais pas ça. Jamais. Depuis quand t'as autant de force? Je l'ai. Oh, c'est pas juste. Je m'en moque. Dans cette maison, on travaille dur. Quelle honte. Il est parti. Heureusement qu'on en a une autre. Et j'ai un plan. On va l'accrocher au dossier de la chaise. Oh, j'adore cette vidéo. Mais non, c'est incroyable. T'as entendu ce bruit? C'est papa. Vite, prends un livre. Fais semblant d'être occupée. Les filles? Ça a l'air passionnant. Ça, c'est mes bonnes petites. Je vous avais dit qu'on pouvait s'amuser en travaillant. Il est parti. On en était où? Ah oui! C'est énorme! Allez! Non, non, non! Il y a quelqu'un? Quelqu'un a toqué? Papa! Ouvrez! Papa! Quelqu'un a parlé? J'ai dû rêver. Je peux me replonger dans mon livre. Hé, je sais qu'il y a quelqu'un. Oh, c'est pas vrai. Oh, bon, je vais ouvrir. Vous avez pris votre temps. Bon, bonjour. J'ai une super affaire pour vous. Cette poêle va vous changer la vie. Je ne suis pas intéressée. Et que pensez-vous de ce magnifique aspirateur? Grâce à lui, les poussières ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Non!
D'accord, j'aime les défis. Waouh, regardez ce petit outil. Il permettra de garder vos oreilles et votre nez bien propres. Essayez. Waouh, merci, c'est trop bien. Super, donnez-moi ce que vous me devez maintenant. Ah oui, tenez. Hein? C'est une blague. Hé, ne fermez pas la porte. J'ai hâte de tester ce truc. J'espère que ça fonctionne. On va voir ça. Oh, ça chatouille. J'adore. Attends, j'ai une idée. Viens voir, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Fais-moi confiance. Regarde ce que tu as dans l'oreille. Oh! Burk! J'ai vraiment ça dans mon oreille? C'est horrible. Il faut que j'y aille. Énorme, ce gadget. Je n'ai pas mangé depuis des heures. Tiens, je ne savais pas qu'on avait ça ici. À moi, les petites friandises. Quoi? Il y a peut-être quelque chose là-dedans. Il doit bien y avoir quelque chose à grignoter dans le frigo. Ah, j'ai oublié de regarder dans le placard. Oh! Tiens. C'est quoi ça? Je crois qu'il est temps de s'amuser un peu, tu ne crois pas? Commence par faire chauffer le savon au micro-ondes. Ça fond comme du beurre, ce truc! Je crois que c'est bon. Waouh! Que la farce soit avec nous. Ouh. Oh tiens, salut Jake. Waouh! Où est-ce que t'as eu ça? Tu veux faire un échange? Yes, yes, yes! Ça faisait des lustres que j'avais pas mangé de barbe à papa. Waouh! J'en ai déjà l'eau à la bouche. Work! Elle a un goût horrible. Oh, ça veut pas partir. Oh, Grace, je te déteste. Moi aussi, je t'aime, mon frère adoré. Mais j'aime ces chips encore plus. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là, cette bouteille? C'est le signe indéniable que je dois tenter le Bottle Flip Challenge. Oh, allez! Alors, juste là... Et dans cet axe-là. Très bien. Quand faut y aller, faut y aller. C'est quoi ce délire? Oh, quel échec cuisant. Tu sais quoi, Jake? Heureusement que tout le monde n'est pas aussi gauche que toi. Je te parie que j'y arrive même les yeux bandés. Quoi? Attends, j'essaye encore une fois. Boum, bébé! Est-ce que la quantité de liquide, ça joue? Rien à voir, je vais te montrer. Ce qu'il faut, c'est un ingrédient secret. Du bicarbonate de soude. Waouh! Verse-en une cuillère à café, puis remets le bouchon en place.
secoue-la bien. T'es prêt? 1, 2, 3. Ouais! Et c'est un doublé! Ça marche vraiment! Hé, toi aussi, tu bois du soda? Le mien est un tout petit peu différent. Tu veux voir? Wow! On dirait du slime ou un truc comme ça. C'est tellement drôle que j'hésite entre le boire et jouer avec. Hé, je pourrais faire des blagues géniales avec ça. Hein? Wow! Pourquoi est-ce que ta boisson est comme ça? C'est dingue! Il faut absolument que tu me montres comment on fait. Dis bonjour à mon ingrédient secret. Wow! Tu veux que je te donne l'astuce? Yes! Ouais! Verse la colle dans ta bouteille de soda. Ok. Tu vas voir, au début, elle va tomber au fond. On dirait un long serpent venimeux. Une fois que la bouteille est pleine, remets le bouchon en place. Et maintenant, j'espère que tu es prête à y mettre toute ton énergie. Quoi? On secoue, on secoue! Est-ce que c'est censé se mélanger? Oh là, tout doux, Grace! Je ferai mieux d'y aller. Tous aux abris! Non, j'en ai partout! Qu'est-ce que... J'en reviens pas de m'être fait avoir! Jake! Oh! Il y a tellement d'arbres dans cette forêt. Il est quelle heure? Oh là là! Voyons voir, tout le monde est prêt? On peut commencer le cours? Oh, je n'en ai pas l'impression. Bon, c'est parti. Vous allez pouvoir utiliser ces compas. Vous allez devoir dessiner un cercle de la même taille que ceux du tableau. Allez, venez en prendre un et au travail. Oh non! Comment ça? On doit travailler pendant les cours maintenant? Allez, tout le monde prend un compas et fait ce que j'ai demandé. Et attends, il en reste plus pour moi! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est rendormie? Qu'est-ce que je dois faire, moi? C'est horrible! Il n'y a aucune solution aussi? Comment je suis censée dessiner un cercle, moi? Tout ce que j'ai, c'est cette règle. Je ne comprends pas comment ça marche. Ce truc ne marche pas du tout. Je n'arrive pas à dessiner de cercle avec. J'hallucine ou quoi? Jake a eu un compas et il n'arrive pas à s'en servir. Qu'est-ce que c'est frustrant? Ce truc est horrible! Pfiou, je déteste ça! Dis donc, elle aussi, elle a du mal. Et je sais quoi faire! Je vais l'ouvrir et voilà! Trop fastoche! Bon, je peux peut-être essayer de faire quelque chose avec ma règle. Si je garde mon crayon dessus... Oh non, ça n'a pas du tout marché. Ou alors je peux faire un cercle à main levée. Ça ne marche pas! Allez, ma règle, j'ai besoin de toi! Hé, je crois savoir quoi faire! Je vais faire un point tous les 2 cm jusqu'au bout. Super! Maintenant, je vais faire des trous partout où il y a un point. Génial! Voyons voir ce que ça donne. Je vais poser ma règle sur la feuille et mettre un crayon dans le trou du milieu. Et je tourne. Je dois juste passer au-dessus de mon bras et je peux finir le cercle. Voilà! Comme sur des roulettes! Oh là là, tu as vraiment dessiné le cercle parfait! Attendez, vous m'apportiez vraiment un vrai compas? Super! Oh, c'est horrible! Je déteste ce chapitre! Je ne comprends même pas toutes les formules! Oh, j'abandonne! Ce n'est vraiment pas mon truc! Ah, c'est quoi ça? Une peluche? Pour toi? Tu veux jouer avec moi? Désolée, je ne peux pas. Il faut que je finisse de réviser et que je termine mes devoirs. Oh, j'aimerais tellement aller dormir, je suis crevée.
Oh, oups! Je me suis assoupie, mais il faut que j'avance. Ouf! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Je n'ai jamais vu une copie si mauvaise! Je me suis endormie en révisant! Je vais rater mon contrôle! Hein? Salut, tu aimes mon ballon? Tu veux jouer avec moi? T'as vu? J'ai attaché un ruban à mon ballon pour ne pas qu'il s'envole. Hé, hey, je peux peut-être en faire quelque chose. J'ai un ballon et ce feutre, je vais écrire les formules dessus. Et maintenant, je dégonfle le ballon. Super, il est tout petit maintenant. Je peux mettre un bout de scotch dessus. Je tiens bien le ballon pour qu'il ne bouge pas et je peux retirer le bout de scotch. Pour finir, je le colle sur mon ongle. Ça rentre presque parfaitement. Parfait! Allons déchirer ce contrôle de maths avec ma super astuce! En plus, personne n'a rien remarqué! Qu'est-ce que je suis maligne! Est-ce qu'elle triche par ici? Elle a des anti-sèches? Attends, je vais regarder de plus près. Je vais sortir ma lampe! Hey, regarde-moi et ouvre grand la bouche! C'est bon, tu peux continuer. C'est bien de ne pas tricher. Phew! C'était moins une! Je suis vraiment la meilleure! Et voilà, alors tout le monde... Cette nouvelle photo est incroyable, non? Elle tient toute la journée. Viens, on prend un selfie ensemble. Elle ne m'écoute pas du tout. Et si, Cheryl, ça suffit, séparez-vous tout de suite. Non, je ne peux pas m'éloigner de toi. Tu vas tellement me manquer, Cheryl. On est si proches et si loin à la fois. C'est mieux, les cours sont faits pour apprendre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On n'a qu'à se parler sur nos téléphones! Oh oui! C'est malin! Je vais sortir le mien! Arrête-toi tout de suite! Tu me crois née de la dernière pluie? Confisqué! Le tien aussi! Je vais le garder au chaud, c'est mieux! Vous les récupérez à la fin du cours! Et maintenant au travail! Et je vous surveille! Attends, je vais essayer un truc! Je vais en faire une boule! Cheryl, c'est pour toi! Oh non! Elle a atterri trop loin! Elle n'a rien vu? Oh! Elle est plongée dans son livre! Phew! On a eu de la chance. Bon, je vais tenter autre chose. J'ai ce gobelet en plastique. Je vais le retourner et découper le fond. Ensuite, il me faut un ballon. Je vais couper le bout du ballon comme ça. Ensuite, je vais l'ouvrir et le faire glisser sur le gobelet. Parfait! Mon canon à message est prêt. Je vais mettre Momo à l'intérieur, tirer sur le ballon et feu! Waouh, ce mot est pour moi. Voyons voir ce qu'il dit. Comment tu vas? Oh, elle a écrit ça rien que pour moi. Oui, ça a marché! Oh, ça doit être elle qui m'a répondu. Je me demande ce qu'elle dit. On se voit dans le bureau du proviseur. Moi aussi, je sais faire un canon à mots. Je dois juste lui donner une petite poussée. Ouais! Je vais viser juste comme il faut. Dans le mille! Qu'as-tu à dire pour ta défense? Non, je n'avais pas l'intention de le faire. Pas de pitié pour toi. Prends ça. Hiya! Ah! Ouh! Regardez cette peluche! Il y a des nuages partout dans ma chambre. C'est quoi ce chantier? Qu'est-ce qui se passe? Cet endroit est un vrai bazar! Quoi? C'est toi qui as fait ça, Julie? Oh, papa! C'est ridicule! Je suppose que je ferais mieux de nettoyer ce désordre. Très bien, laisse-moi juste remettre ces plantes à leur place. Pourquoi y a-t-il du papier toilette partout? Ce n'est pas un jouet! Des livres par terre? Ce n'est pas comme ça qu'on traite les livres chez nous! Une voiture téléguidée? Sérieusement? Désolée, papa, je ne t'avais pas vu. Ah, je ne peux même pas lui en vouloir. Mais une seconde, j'ai une idée de génie. J'ai une voiture et une brosse de balai, je peux les assembler. Ces élastiques devraient faire l'affaire. Je vais avoir besoin de ces deux petites chevilles en bois et aussi de rubans adhésifs. Très bien, nous y voilà. La première étape commence avec un élastique. Je vais les mettre autour des roues avant de la voiture, comme ça. Ensuite, je fixe les chevilles sur le capot de la voiture avec du ruban adhésif. Il est temps d'ajouter la partie la plus importante, le balai. Je vais utiliser les élastiques de tout à l'heure pour tenir le balai afin qu'il ne tombe pas. Nous y voilà. La brosse du balai est maintenant bien fixée. Comme c'est rigolo d'en mettre partout. Bon, papa! Je m'en vais! Non, reste ici! Ça va! Regarde ce que j'ai! Un balai télécommandé! Il peut nettoyer toute la pièce! Regarde le fer! Quelle vitesse et quelle puissance! Incroyable! Et on dirait que j'ai fini! Waouh! C'est le balai le plus cool que j'ai jamais vu de toute ma vie! Il est élégant et... Oh! Mais où est-elle? Julie?
Salut, papa. Je t'ai entendu crier, alors je suis venue tout de suite. Oh, tu es en sueur. Attends, je vais arranger ça. Voilà. Ah. Oui, il fait vraiment chaud aujourd'hui, mais j'ai des trucs à faire. Attends, Julie, laisse-moi te tamponner le visage. Je suis content que tu aimes tes céréales. Oui, c'est délicieux. Oh, du Nutella. Je vais en manger un peu. Oh, tu t'en es mis sur la figure. Attends une seconde. Oh, quoi? Comment a-t-elle pu mettre autant de désordre? C'est si bon. J'adore le chocolat, c'est trop bon. J'ai envie de te faire un bisou, papa. Mouah. Ok, ma chérie. Tu es la meilleure des petites filles. Ah, non. Quoi? Papa, aide-moi. Oh non, elle a besoin de se moucher. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Oh, ce rouleau de papier toilette pourrait être la solution. Quoi? Elle s'est mouchée sur ma chemise? C'est vraiment dégoûtant. Elle empire toujours les choses avant que j'aie le temps d'agir. Une seconde, je crois que j'ai une idée. Ok, j'ai ce rouleau de papier toilette. Je vais en dérouler une partie comme ça. Et maintenant, je vais l'enrouler de nouveau. Voilà. Ensuite, je vais avoir besoin de ciseaux. Je vais juste couper ça en deux. Et voilà. Prenons ce morceau de carton. Je vais avoir besoin d'une règle. Et ce cutter, parce que je vais devoir faire des coupes. La règle servira de guide pour que je puisse faire une coupe droite sur ce carton. C'est parfait. Maintenant, je prends cette bande et je la coupe en quatre petits carrés égaux. J'ai besoin de cette petite paille. Parce que je veux enrouler le petit carré de carton autour. Ok, maintenant il faut ramener le petit rouleau de papier toilette. Excellent, c'est un mini rouleau de papier toilette. Et ce petit support sur lequel je peux mettre le rouleau. J'ai quasiment fini. Tada! J'ai deux rouleaux de papier toilette. Et c'est pas tout, ce sont en fait des boucles d'oreilles. J'ai hâte de les donner à Julie pour qu'elle puisse les essayer. Et voilà chérie, maintenant tu auras toujours des mouchoirs en papier sous la main. Tu vois, tu as juste à tirer dessus. Oh, waouh! J'ai de belles boucles d'oreilles maintenant. Hé, il y a de la saleté sur mes chaussures. J'ai besoin d'un peu de papier de mes boucles d'oreilles. Ça devrait être suffisant. Et maintenant, je peux nettoyer ma chaussure. Voilà, retour à la normale. Achoum! Il est temps de sortir d'ici. Hé, il n'y a plus de papier toilette. Non, papa! J'ai besoin de papier. Quoi? Julie, tes boucles d'oreilles. Pense-y, tes boucles d'oreilles, Julie. Quoi? Mes boucles d'oreilles? Ah oui, je les avais oubliées. Je peux simplement utiliser leur papier à la place. Qu'est-ce que j'ai faim? Je vais me faire griller quelques tartines. Pendant ce temps, je vais préparer le beurre. Bon. Déjà? Ils sont exactement comme j'aime. Allez, place au beurre. J'aime quand il y en a beaucoup. Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à l'étaler? Allez, décolle-toi! Ça commence à m'agacer! Allez! Du calme! Fini la gentille fille qui fait des tartines. Hasta la vista, tostinette! Emma, est-ce que tout va bien? Ça suffit, j'en ai marre! Et tac! Voilà! Waouh! Bien joué! Le beurre est toujours collé au couteau! Envoie une autre pomme. Yeah! Génial! Tiens, un kiwi et une orange. Quelqu'un a demandé une salade de fruits? Voilà des fruits frais pour tout le monde. Yeah! Attention! Yeah! Je n'y crois pas. Qu'est-ce qu'il a ce fichu beurre? Oh, j'ai une idée. Place du papier cuisson autour de la lame et voilà, le beurre ne colle plus. Prépare plusieurs tranches à l'avance. Ensuite, tout ce dont tu as besoin, c'est une boîte hermétique. Fais un morceau de beurre sur du pain et voilà, il ne te reste plus qu'à l'étaler. Bon appétit! Ensuite, il faut ajouter la farine. Vous avez des questions? Oh, et les enfants? Non, monsieur! Très bien. Dans ce cas, regardez attentivement. Vous voyez ces sandwichs? Vous allez devoir tous les préparer. Et partez! Cool, c'est parti! C'est quoi la suite? Hors de question que je suive la recette. Je vais utiliser ce qui me fait envie. Hé, ne me copie pas! Ah, quel bébé! Je parie que je peux y jeter un coup d'œil. Oh non! Le verre! Je l'ai! Je l'ai!
Oh, mais je pourrais même m'en servir. D'abord, je vais faire un empilement. Puis, je la découpe à l'aide d'un verre. Maintenant, passons à la partie intéressante. Trempe le tout dans de l'œuf, puis dans de la farine. Encore une fois. Et hop, dans la poêle à frire. Regardez comme ça dort bien. Une fois que c'est fait, coupez-le en deux et préparez-vous à déguster un délicieux sandwich grillé. N'oubliez pas la sauce, évidemment. Monsieur, mon sandwich est prêt. Il est temps de poser vos spatules. Par la barbe de Lignac, qu'est-ce que c'est que ça? Bellissimo! Bravo! Merci, c'est vrai que je suis assez douée. Comment ça se passe pour toi, Liam? Je penserai à t'en faire un la prochaine fois. Où est-ce qu'elle a trouvé cette recette? Intéressant. Hé, Emma, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, miam, j'ai trop faim. Hop là. Choisis ça ou ça. Je vais prendre... Ça risque de prendre un bout de temps. Les guimauves? Ou le chocolat? Oh, c'est déjà bientôt l'heure du repas. Je vais prendre... Tu sais quoi? Je vais prendre ça. Vraiment? En fait, non. Je crois que je vais mourir sur ce canapé. Liam! Bon, ça suffit. Il faut faire quelque chose. Mais j'ai faim! Pourquoi choisir quand on peut avoir les deux? Une fois que tu as mis tous les ingrédients dans un plat, mets-le au four et prépare des biscuits. Et voilà comment préparer un super goûter en deux temps, trois mouvements. Miam! Comme ça, plus besoin de choisir. Cet ananas est délicieux. Miam! C'est tellement rafraîchissant. Au suivant. Miam! Hé! Regarde-moi ce bazar! Il y en a partout! Je te conseille de nettoyer ça vite fait. Oh, ça va! Il faut toujours que tu en fasses des tonnes. Oh, il en reste un. Je pense avoir une idée. À plus! Je vais te montrer comment découper un ananas facilement. Insère une conserve à l'intérieur, puis découpe les bords au couteau. Et voilà! Il ne reste plus que la chair. En poussant l'ananas avec précaution, tu peux découper des tranches facilement. C'est génial, non? Je peux m'asseoir avec toi? Wow. Et voilà! Comme ça, plus de bazar! Bien joué, Emma! C'est vraiment une excellente idée!